Salut tout le monde. Aujourd'hui, c'est lundi le 7e de février de cette année 2022. La nouvelle la plus récente de Cam a présenté dans le site web de mynbc5.com pour le jour d'aujourd'hui nous présente une physionomie politique de l'État de Vermont des États-Unis qui s'appelle David Zuckerman. Celui qui s'était bien manifesté en tant que lieutenant-gouverneur pour l'État de Vermont des États-Unis durant son mandat politique depuis l'année de 2017 jusqu'au début de l'année de 2021 dans l'État de Vermont des États-Unis. Comme vous le savez, et d'après la nouvelle, on va dire que à ce moment-là, puisqu'il s'était décidé à poser sa candidature pour le poste de gouverneur pour l'État de Vermont des États-Unis. Il a dû renoncer à son poste de lieutenant-gouverneur pour l'État de Vermont des États-Unis. Mais aujourd'hui, d'après la nouvelle, la plus récente qu'on m'a présentée dans le site web de mynbc5.com pour le jour d'aujourd'hui, on me dit que l'État de Vermont des États-Unis peut se mettre à accueillir le retour de lui-même, David Zuckerman, celui qui voudrait faire acte de candidature pour le même poste de lieutenant-gouverneur, un poste gouvernemental pour lequel il s'était bien manifesté dans le passé. Il se trouve ci-dessous un site web où l'on peut voir se trouver plus d'informations concernant sa carrière et lui-même. D'après la nouvelle, on me dit que pour David Zuckerman, sa carrière politique à l'échelon exécutif s'est lancée d'abord dans l'année de 1997. Il y avait servi en tant que représentant pour la Chambre des députés de l'État de Vermont des États-Unis jusqu'à l'année de 2011. Puis, il avait continué sa carrière politique en tant que membre du Sénat pour l'État de Vermont des États-Unis depuis 2013 jusqu'à 2017. Et alors, le poste le plus récent pour lui-même, David Zuckerman, c'était le poste de lieutenant-gouverneur pour l'État de Vermont des États-Unis. Durant son mandat depuis l'année de 2017 jusqu'à l'année de 2021 dans l'État de Vermont des États-Unis. En parlant de ce qu'il voudrait faire pour l'État de Vermont des États-Unis, d'après la nouvelle, on dit que David Zuckerman voudrait faire acte de candidature pour le poste de lieutenant-gouverneur pour l'État de Vermont des États-Unis afin qu'il puisse continuer sa mission d'assurer que toutes les familles des résidents de l'État de Vermont des États-Unis ne doivent pas souffrir des difficultés financières afin d'accomplir les besoins nécessaires dans la vie. En parlant des besoins nécessaires dans la vie, on me dit que ce sont les matières telles que la nourriture, le logement, l'emploi, l'éducation. D'après la nouvelle, on me dit que la nouvelle dans le site web de mynbc5.com nous présente la date pour une élection générale qui aura lieu dans l'État de Vermont des États-Unis le 9e août de cette année 2022, où tous les résidents de l'État de Vermont des États-Unis peuvent voter pour sélectionner les personnes d'importance pour l'État de Vermont des États-Unis, telles que voter pour sélectionner le poste de lieutenant-gouverneur pour l'État de Vermont des États-Unis. Voter pour sélectionner une personne pour le poste de lieutenant-gouverneur pour l'État de Vermont des États-Unis.